Jusqu'à maintenant, Julie Leclerc avait résisté à toutes les tempêtes qu'Europe 1 avait connues. Mais la dernière en date sera fatale. Comme révélé par Quotidien ce vendredi, la meneuse de jeu historique de la station de la rue François 1er va quitter progressivement son poste dès la rentrée prochaine. En septembre, la radio Europe 1 tentera une énième reconstruction, un an après une nouvelle relance couronnée d'un succès. Résultat, à la rentrée, de nombreux visages emblématiques de la station ne seront plus de la partie. Parmi eux, Franck Ferrand, Daphné Burki, Thomas Touroud, ou encore Patrick Cohen. En compensation, Europe 1 devrait retrouver Nikos Aliagas pour la matinale, ou promouvoir Mathieu Noël en matinée. Voix historique de Europe 1, Julie Leclerc a intégré la station en 1972. Après avoir démarré sa carrière auprès de Gilles Schneider et Jacques Roulan, Julie a été la collègue d'une vingtaine d'autres animateurs, de Jean-Marc Morandini à Marc-Olivier Fogiel en passant par Jean Roucas, Thomas Otto, ou encore Michel Drucker. Cette saison, l'animatrice épaulait Patrick Cohen dans sa matinale Europe Matin. Just me.